mardi, près de 60 chefs d'entreprise étaient invités au restaurant Le Fer à Cheval pour une soirée organisée par le réseau Premium. Ce club d'affaires fondé en 2013 par l'ancien footballeur professionnel des Girondins de Bordeaux, Lassina Diabaté, propose de nombreux événements permettant aux membres d'échanger et de faire développer leur business. C'est donc autour d'un repas signé par le chef Philippe Godou que les entrepreneurs du bassin ont pu enrichir leur réseau, toujours sous le signe du partage et du progrès. Le réseau Premium est un réseau de chefs d'entreprise qui crée les conditions permanentes de mise en relation pour permettre à ces chefs d'entreprise de faire du business entre eux dans la convivialité, l'échange et le respect. L'objectif de cette soirée résulte d'un constat qui est le suivant. Aujourd'hui, il y a des acteurs économiques, chefs d'entreprise de Bordeaux qui ont du mal à venir s'implanter sur le bassin d'Arcachon. Et des chefs d'entreprise du bassin d'Arcachon qui voudraient exporter leur savoir-faire sur Bordeaux. Mais on voit une vraie frontière, une barrière. L'objectif de cette soirée est de permettre à tout un chacun de créer leur propre pont économique entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon et vice-versa, bien évidemment. L'évolution du réseau Premium, à mon sens, ce sera une évolution, comme l'a bien signifié tout à l'heure Jordi, faire un lien entre le pôle économique de Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Au-delà de ça, l'Aquitaine est grande. À nous de faire de sorte à ce qu'on puisse s'implanter dans la nouvelle Aquitaine avec le même format pour nous permettre et de faire de sorte à ce que ces chefs d'entreprise puissent énormément dans l'échange, la convivialité, faire du business. Voilà vraiment l'avenue du réseau Premium. Aujourd'hui, on est sur le bassin. Dans un futur proche, on sera dans une autre partie de la nouvelle Aquitaine.